Bienvenue pour ce débat consacré aux salariés qui reprennent leur entreprise en difficulté. C'est une question qui, depuis que l'humanité s'est ressaisie de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire il y a à peu près 5-6 ans, c'est en fait une des questions qui nous a fait revenir vers l'économie sociale et solidaire, la reprise des entreprises en difficulté par leurs salariés, le montage de scopes. Alors bon, il y a l'exemple emblématique qui est représenté par l'un de nos intervenants, mais il a le t-shirt, donc vous pouvez savoir de qui il s'agit. Ça a été le combat des Fralib qui nous a fait nous repencher sur les formes d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a eu Fralib, il y a eu les PIPA, je ne sais pas si vous vous souvenez du combat des PIPA, mais qui sont les salariés d'une entreprise de fabrication de glace du côté de Carcassonne, qui eux aussi ont mené à peu près le même combat et qui eux aussi ont créé leur scope en reprenant l'affaire et qui maintenant s'appelle la Belle Aude, avec une jolie petite vache qui est sur les pots. C'est des glaces bio et en circuit court. Il y avait aussi l'exemple des Le Jamy, le combat des atelières qui malheureusement n'a pas pu déboucher positivement. Bon, il y a plein d'autres. Il y a l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler des écoplats qui eux sont en misère et qui fabriquent des barquettes en aluminium pour l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Eux aussi avaient cette idée de reprise de leur entreprise en scope parce que l'actionnaire était totalement défaillant. Ils étaient là d'ailleurs l'année dernière à la fête de l'humanité à essayer de pousser tout ce qu'ils pouvaient pousser, et c'était les montagnes qu'il fallait déplacer pour réussir leur pari. Malheureusement, la scope n'a pas vu le jour, mais en tout cas, il est resté une petite structure des écoplats qui a été reprise par un repreneur qui venait chercher les machines et qui finalement a conservé une petite entité française. Bon, il y en a plein d'autres. Il y a la librairie des Volcans aussi, qui est un lieu emblématique de reprise en scope à Clermont-Ferrand. Bref, je pourrais en citer plein. Et à chaque fois qu'il y avait ces aventures au journal, on recevait des appels de lecteurs qui disaient « Bon, mais nous aussi, on est en difficulté. Et comment on fait pour se sauver l'entreprise, sauver nos emplois? Est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec tous ces gens-là » Donc voilà, ça continue à nous interpeller, même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se demande, nous, mais franchement, est-ce que la reprise en scope des entreprises en difficulté, est-ce que c'est vraiment une panacée? Est-ce que c'est vraiment rendre service aux salariés de leur glisser cette idée-là en tête? Est-ce que c'est la fonction d'un salarié de reprendre son entreprise en difficulté? Est-ce que c'est la fonction d'un salarié de devenir patron? Est-ce que c'est la fonction d'un salarié de remettre d'aplomb une activité, de la redéfinir totalement pour lui redonner un avenir? Donc c'est toutes ces questions-là qui se sont posées. Alors moi, je me suis dit que ça serait bien d'en faire un débat à la fête de l'humanité sur toutes ces questions que moi je me pose et qu'on a traitées dans le quotidien au fur et à mesure et dans le cahier thématique que l'on fait tous les mois, qui est consacré à des questions de l'économie sociale et solidaire. Bon, tout ça pour dire que statistiquement, les entreprises reprises par les salariés et qui deviennent les scopes dans les sociétés coopératives, elles n'apparaissent pas forcément dans les statistiques justement de la CGSCOP, c'est-à-dire de la Confédération Générale des SCOP. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis allé voir les chiffres du dernier recensement sur le site web et elles n'apparaissent nulle part. Par des transmissions entreprises en scope, effectivement, des créations d'entreprises en scope qui correspondent à la moitié, aux deux tiers des scopes globales, mais ces reprises-là d'entreprises en difficulté, elles n'apparaissent pas. Et pourtant, elles ont une grande part dans le paysage médiatique et ont chacune des histoires très emblématiques et résonnent dans l'esprit de tous les salariés. Donc, maintenant, il est temps que je présente tous mes invités.
Toutes les questions que je me pose et que vous vous posez, j'imagine, bah, vous pouvez les poser à nos invités. Alors je commence par le t-shirt rouge ici, Gérard Cazorla. Alors il remplace Omar Damani, qui a eu un petit pépin de santé. Gérard, donc vous êtes président du conseil d'administration des Sculpti. Donc Sculpti maintenant anciennement Fralib, maintenant devenu Sculpti. Nous avons deux représentants en la personne de Isabelle Villela et de Michael Garbi, des porte-drapeaux de la reprise en stock de Mime. Mime, c'était malheureusement une chaîne de vêtements à bon marché, on peut dire, pour féminin, qui avait plein de magasins partout en France. Et bon, comme souvent pour les entreprises en difficulté, un actionnaire en chassant l'autre, un actionnaire voyou en chassant un autre. Donc voilà, ils se sont retrouvés à se dire bon, bah, si on essayait de reprendre notre entreprise en stock pour essayer de donner un avenir aux 500 ou 700 salariés qui restaient à ce moment-là. Donc ça, c'était il n'y a pas longtemps. Le dénouement malheureux a eu lieu en juin, c'est ça, ou le tribunal de commerce, ouais, c'est ça, en juin. Mais eux aussi sont là pour vous expliquer comment s'est passée leur aventure et où ça a chopé, et voilà, leur conseil, si vous posez ce genre de questions aussi. Nous avons Vincent Jacques-Poli, de l'Union régionale des SCOP, Île-de-France. Bon, alors Île-de-France au sens très large, puisque maintenant il y a la Picardie, la Normandie, le centre. Ouais, bon, on s'arrête au centre alors, c'est déjà pas mal. Et Vincent, qui est donc vice-président, et qui voit tous les jours aider des porteurs de projets de SCOP, alors en création, en transmission d'entreprise, ou alors en reprise d'entreprise en difficulté. Donc lui nous apportera son point de vue de technicien au plus près des dossiers. Nous avons Sylvie Meyer, qui est madame ESS, économie sociale et solidaire au PCF, qui a beaucoup combattu pour le droit à l'information des salariés, pour le droit à l'information et les informations économiques, enfin de toutes les données qui permettent aux salariés de savoir dans quelle entreprise ils travaillent, et pour, le cas échéant, pouvoir proposer un dossier de reprise ou de transmission d'entreprise, si l'entreprise ne va pas fort, ou va bien, d'ailleurs c'est pas réservé aux entreprises en difficulté. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, comme ça se veut comme un partage d'expérience, je vous propose de prendre peut-être chronologiquement ces aventures de reprise en stock des entreprises en difficulté, et puis de décortiquer, de prendre étape par étape. Alors peut-être Gérard, puisque vous avez plus d'expérience sur ce genre de reprise, mais est-ce que vous pouvez nous redire comment l'idée de reprise en stock est venue il y a 5 ans 7 ans, ouais, voilà. Et est-ce que c'était si facile et naturel pour une entreprise qui appartenait à Unilever, des salariés qui travaillaient dans cette entreprise-là, de s'imaginer patron de leur propre entreprise ou sociétaire? C'est mieux. Alors moi, je voudrais préciser une chose, c'est que nous, on n'était pas une entreprise en difficulté. Nous, on s'est réapproprié l'outil industriel pour créer notre sport. Parce que Unilever, c'est quand même un groupe multinational qui fait en moyenne chaque année, en gros, 5 milliards de bénéfices nets. Donc on n'était pas en difficulté, loin de là. Donc nous, la lutte qu'on a menée, c'était tout d'abord sur le maintien de l'outil industriel et des emplois. C'est clair que quand une multinationale prend une telle décision, c'est compliqué de les faire revenir en arrière. Donc on s'est tout de suite projeté sur un projet alternatif à la fermeture, sans obligatoirement que ce soit d'entrer une SCOP. Donc on a réfléchi, on a posé les grandes lignes de notre projet, c'est-à-dire que voilà, on était des salariés compétents, on faisait tourner les machines, on savait les faire tourner. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas récupérer l'outil industriel et produire nous-mêmes pour sauver nos emplois.
Donc la première démarche, c'est de mettre les grandes lignes de notre projet alternatif en disant que ben, l'outil de travail, on considérait qu'il nous appartenait. Donc pas un moulon devait sortir de cette usine. Je vous garantis que pas un moulon est sorti de cette usine. On a aussi pensé qu'on pouvait produire autrement, c'est-à-dire avec les circuits courts, puisque nous on fait des plantes à infusion et du thé. Bon, le thé, bien sûr, il faut aller le chercher hors de France, mais les infusions, on a dans des régions des productions de plantes aromatiques, et donc on pouvait tout à fait se servir en relancer des filières comme le tilleul qu'on a fait dans les baronnies, mais aussi la verveine, la menthe. Donc les agriculteurs, on pouvait faire travailler les agriculteurs en France pour s'approvisionner en matières premières. On a aussi pensé qu'on voulait faire des produits de qualité, et donc ne plus se servir des arômes chimiques comme l'univers se servait. Donc on voulait mettre des arômes naturels dans nos produits et de revenir à une qualité pour le consommateur. On pouvait aussi imaginer de travailler sans patron, hein, sans système pyramidal, puisque nous, on a un système horizontal, et dans notre organigramme, on n'est pas en pyramide, mais dans un cercle, et on est tous dans le cercle. Donc c'est différent de ce qu'on connaît sur les entreprises capitalistes, donc qui a toujours une hiérarchie, toujours un patron qui décide de tout. Nous, on décide tous de tout, et on consulte, et on débat, et alors c'est clair que c'est plus long, les prises de décision sont un peu plus longues, mais on s'est organisé de façon à ce qu'on puisse prendre des décisions au jour le jour pour faire tourner l'entreprise, parce que c'est quand même une entreprise industrielle et c'est pas simple. Mais voilà, donc on a tracé nos grandes lignes. On voulait aussi inventer une forme juridique nouvelle, pourquoi pas. On s'est vite aperçu que en France, ben, on ne pouvait pas inventer quelque chose de nouveau. Hein. Il fallait soit se tourner vers le système capitaliste où on a déjà donné beaucoup et donc on n'en voulait plus. Et après, le système coopératif, qui était plus dans nos valeurs, et donc à partir de là, on a consulté l'Union régionale des SCOP, on a consulté des coopératives qui fonctionnaient déjà pour les faire venir et expliquer aux salariés en lutte comment ça se passait une coopérative et comment on fonctionnait à l'intérieur. Et bon, petit à petit, le problème c'est que notre lutte a duré tellement longtemps que et d'un côté c'est bien parce que ça nous a permis de construire la SCOP de manière réfléchie et puis en ayant beaucoup de contacts et essayant de faire le moins de bêtises possible. On s'est aussi appuyé sur les camarades de la Belle-Aude, où tu en as parlé, qui avaient eux, la fermeture de l'usine a été annoncée un an après nous et ils ont fait leur stop un an avant nous. Donc voilà, on s'est appuyé aussi sur eux et eux ils sont appuyés sur nous sur le modèle de la lutte et nous on s'est appuyé sur eux sur le modèle de construction de la SCOP. Donc toutes ces expériences-là ont fait que on a pu créer notre SCOP. Aujourd'hui on a créé la SCOP ça fait 3 ans, on travaille en production depuis 2 ans et demi et donc ça fonctionne. Donc on a fait la démonstration que des travailleurs pouvaient faire tourner une usine sans patron, sans hiérarchie, et que ensemble avec l'intelligence collective et la décision démocratique, on pouvait avancer et mettre sur le marché des marques nouvelles, puisque ça a été le cas. Il a fallu reconstruire de A à Z, hein, puisqu'on n'a pas obtenu de la part de l'univers ce qu'on revendiquait sur la marque éléphant, puisque la marque éléphant, il faut savoir que c'est la marque qui est née à Marseille il y a plus de 120 ans. Et donc on considérait qu'elle revenait aux salariés, parce que ça fait des générations et des générations que les travailleurs ont peiné dans cette entreprise pour la notoriété de cette marque. Donc on n'a pas obtenu la marque éléphant et on n'a pas non plus obtenu des volumes de production pour pouvoir lancer l'activité. Donc il a fallu repartir à zéro et donc tout reconstruire. On est arrivé, c'est un gros challenge, un gros travail. Mais on y arrive, alors avec pas mal de difficultés, mais on résiste toujours et on continue à avancer. Ça a été aussi facile que ça de convaincre ou de faire un travail de convaincre les salariés de rentrer dans cette aventure-là?
Alors oui, puisque pas tout le monde connaissait le fonctionnement d'une SCOP, il y en a qui se... On était en pleine lutte en plus. Hein. Donc on construisait à la fois le projet alternatif, mais on se battait aussi contre la multinationale pour sauver nos emplois et notre outil industriel. Alors oui, il a fallu expliquer, convaincre. Les premiers à parler de SCOP, c'est pas nous, ça a été la direction, en disant aux salariés, mais vos élus sont fous, ils vont vous prendre toutes vos économies, tout ce que vous allez toucher comme indemnité, ils vont vous les prendre, ils vont la mettre dans la SCOP, et ça ne marchera pas, bien sûr. Donc voilà, mais nous, on a continué à construire, on a continué à débattre. Je vous dis, la lutte a duré 1336 jours, donc on a beaucoup, beaucoup débattu, et on a construit petit à petit ce système, en se persuadant que c'était possible. Alors, peut-être maintenant allons voir du côté des mimes, entre guillemets. Comment l'idée est arrivée sur le métier de reprendre l'entreprise en SCOP? Là, c'était plutôt une urgence. Il y avait une urgence économique. J'avais l'idée là. Oui, nous, c'était l'idée de la dernière chance. C'était quelle carte peut-on encore jouer pour sauver notre société de 40 ans? C'est une idée qui est apparue par désespoir, je pense, et au bout de 3 jours, on était dans les starting blocks à frapper à toutes les portes du gouvernement, du nom des SCOP, justement parce qu'on ne connaissait rien, et c'était comment monter une SCOP avec 1400 salariés. Tout en sachant qu'on était en redressement judiciaire, qu'on avait eu 3 repreneurs, que le tribunal de Bobigny les a tous refusés, parce qu'ils n'avaient pas de garantie financière assez solide. Donc on s'est dit, on connaît tous nos corps de métier, qui mieux que nous pour reprendre cette société et qu'on la ferme pas et sauver tous ces emplois. Sauf que nous, on a eu un point de blocage parce que notre société ne faisait plus de bénéfices, donc avait déjà engendré pas mal de dettes. Donc il nous fallait un financement. Et c'est pour ça qu'on a été frappé au ministère du Travail et à Bercy pour pouvoir obtenir un prêt FDES. Et de là, on a dû élaborer un énorme dossier de business plan, de stratégie commerciale, tout ça pour prouver que notre société pouvait encore être viable. Parce qu'on avait encore quand même pas mal de magasins qui rapportaient du bénéfice, on en avait d'autres en difficulté qu'on comptait ne pas reprendre. On s'est dit, c'est une carte à jouer, sur les 1400, on envisageait d'en sauver, enfin, de sauver 800 emplois. Et une centaine de points de vente. Ça a été très difficile pour nous au début par rapport aux salariés, parce que c'est pareil, un peu comme monsieur, un peu perdu. Ça faisait un moment qu'on était en redressement judiciaire, qu'on était fatigués. Ils n'en pouvaient plus, ils voulaient que ça se termine. Donc il a fallu, pareil, qu'on se mobilise pour bien leur expliquer qu'on n'allait pas leur prendre leurs indemnités, que c'était un moyen pour nous justement de trouver ce que tout le monde dans cette société depuis 2 ans où on était en grosse difficulté, c'est que tout le monde avait plein d'idées, connaissait leur corps de métier et apportait plein d'idées que forcément la direction n'a pas suivi, hein, sinon on ne serait pas dans cet état-là. Mais tout le monde avait peur d'y aller parce que qu'est-ce qui allait se passer si ça ne fonctionnait pas? Est-ce qu'ils allaient perdre leurs indemnités? Donc il s'est posé beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de peur. Donc on s'est un peu confronté à beaucoup, beaucoup de salariés avant d'en relier quand même, je dirais pas la moitié, mais un bon quart, où ils ont pris conscience justement que si on ne tentait pas cette dernière carte, la société allait vraiment fermer. Donc petit à petit, on a réussi à obtenir des financements des salariés. On a eu l'Union des SCOP qui était prêt à nous suivre et France Active. Il ne nous manquait plus que le gouvernement qui au final, après maintes réunions avec eux, ne nous ont pas suivis. Donc ça a été un
douche froide alors qu'on était plein d'espoir. Donc même le gouvernement nous avait donné plein d'espoir au début. Et la douche froide, mais nous a fait mal. Michaël Verbi, donc il y a un travail de conviction à faire, mais ce n'était pas forcément simple. Avec donc une structure avec un siège social, certes, mais plein de magasins partout en France. Comment faire ce travail de conviction et pour prendre le maximum de salariés avec vous? La difficulté, effectivement, bonjour à tous, pardon. La difficulté, ça a été de communiquer effectivement à tout le monde le plus rapidement possible, mais on était effectivement dans l'urgence. Ce que vient d'expliquer Isabelle Léa, c'est tout ça s'est passé en deux mois de temps. Parce que, au début, fin 2016, en novembre 2016, quand on est rentré en redressement judiciaire, il y avait des repreneurs, donc les salariés ne se sont pas posés deux secondes la question à se dire on va reprendre notre société. Il y a des professionnels, ils viennent avec des avocats, un business plan et tout ça, ils ont l'habitude de faire ça, c'est des professionnels, on les laisse faire. Effectivement, quand le tribunal a dit non à toutes ces personnes-là, à part une reprise partielle de 250 salariés, c'était déjà ça de gagner, on s'est dit la dernière chance, c'est de reprendre la société. En avril, quand on devait être en liquidation judiciaire, pardon, on est arrivé donc avec ce dossier-là au tribunal. Et après, il a fallu expliquer très rapidement aussi aux salariés. Donc on est passé par les directeurs régionaux pour expliquer à toute la France, puisqu'on avait des salariés éparpillés dans toute la France. Au siège, c'est plus facile, on fait une réunion, il y a 200 personnes avec nous, c'est plus facile d'expliquer. Comme c'était nous les porte-parole, encore plus simple devant les personnes. Et on a fait ça vraiment dans l'urgence, parce qu'il fallait aussi aller dans les différents ministères pour essayer d'avoir des fonds, décider à Bercy, les décider pour avoir le prêt tant souhaité à FDES. Donc oui, ça a été compliqué, puisqu'on a fait ça vraiment dans l'urgence, pas comme monsieur, où c'est vrai qu'ils ont eu du temps pour expliquer aux gens, pour monter un business plan, mais on a fait ça vraiment dans l'urgence. Je pense que c'est ça qui nous a un peu... l'urgence et le changement de gouvernement, je pense que c'est ça qui a fait... capoter le plan, malheureusement. Alors, Vincent Javicoli, vous avez à l'Union régionale des SCOP des porteurs de projets, soit de création, soit de reprise, de transmission d'activités. Quelles sont les barrières, les étapes à franchir pour arriver à lancer une activité? Bonjour. Je ne sais pas si les barrières, mais les étapes sur lesquelles nous on essaie de travailler, finalement elles sont assez simples. C'est la question économique et la question coopérative. La question économique, on va travailler, et ça peut prendre deux semaines comme ça peut prendre deux ans, sur le modèle économique. Est-ce que, quelles que soient les valeurs militantes du projet, est-ce qu'on a quand même... marché, les clients, non pas forcément une rentabilité, mais une atteinte de l'équilibre pour payer les salaires. Donc ça, c'est l'une des deux étapes. Et puis parallèlement, on va travailler sur ce qu'on appelle le projet coopératif, c'est-à-dire est-ce que il y a suffisamment de personnes dans la population salariée d'entreprise qui sont intéressées pour devenir associées, donc pour investir, et au-delà de ça, pour participer à l'animation, au management, à la gouvernance, peu importe le nom qu'on donne à ça, mais démocratique de l'entreprise. Et on voit bien là dans l'exemple qui a été donné, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, parce que pour convaincre des personnes, notamment dans le cadre de redressement judiciaire, qui sont un peu déboussolées, que ça peut valoir le coup d'investir dans son entreprise, de comprendre ce que ça implique devenir sociétaire du SCOP, ben, ça se fait pas en deux jours. C'est des choses qui peuvent prendre du temps. Et puis, après, plus spécifiquement sur la reprise d'entreprise, il y a quand même des barrières qui ne sont pas tant sur le projet, mais qui sont là plus, on va dire, politiques. Et là, il y a toute une question sur le tribunal de commerce qui, aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux qui avaient entendu parler du dossier Ecoplan l'année dernière, où finalement le tribunal de commerce avait décidé de vendre l'entreprise à un repreneur italien qui allait finalement se servir de ça pour éliminer un concurrent, mais qui était un peu mieux doté,
plutôt que l'offre de reprise en stop par les salariés qui allaient préserver l'emploi. Et là, on se retrouve dans une situation absurde, ou en tout cas plus que regrettable, c'est-à-dire que tout le monde parle de préserver l'emploi, mais au quotidien, on a des institutions qui fonctionnent, en l'occurrence les tribunaux de commerce, quelque part en toute impunité et avec des critères qui ne sont pas du tout ceux du sauvegarde de l'emploi, mais avec souvent le soutien des Bercy du gouvernement, sauf quand ces 10 gouvernements sont un peu plus coopératifs, enfin, en tout cas sensibles à ça, ce qui fut le cas à un moment donné en 2014 lors du vote de la loi, où il y a tout ce qu'on peut penser du gouvernement, il y a au moins une ou deux personnes qui étaient relativement sensibles à cette question. Donc, d'un point de vue du travail avec la coopérative, il y a ces deux étapes économiques et puis coopératives. Et puis, notamment dans le cas de reprise, il y a un travail aussi long d'haleine qui est plus lobbying, d'influence, de rapport de force avec les tribunaux de commerce. Et parfois, ça peut remonter haut. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et c'est souvent en fonction de l'interlocuteur et de sa sensibilité au moment. Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement démocratique, forcément, dans les coopératives? Est-ce que ça, c'est quelque chose de facile dans les montages de projets? Et puis dans la vie, je suppose que ça s'acquiert, ça s'apprend? Ouais, en général, dans le montage de projets, c'est assez facile. Ensuite, ça l'est moins. C'est-à-dire que pour l'idée, c'est de se dire, on va d'autant plus travailler, en tout cas être performant sur la dimension coopérative et démocratique, qu'on a préparé les choses à l'avance, qu'on les a formalisées, qu'on a réfléchi ensemble sur qui fait quoi, qui décide quoi, qu'est-ce que le gérant, parce qu'il y a quand même un gérant qui est démocratiquement élu, mais qu'est-ce qu'il peut décider ensemble, qu'est-ce qui relève de la décision de l'ensemble des associés, qu'est-ce qui relève de l'ensemble de la décision de prendre le salarié. Donc ça, mieux c'est préparé à l'avance et mieux ça va réussir, mais néanmoins, c'est à l'épreuve du feu dans le quotidien, dans l'action et le contact des frictions du quotidien qu'on expérimente ça. Et là, ça peut y avoir aussi des crises et des souffrances au travail et contre la coopérative. Alors on le voit bien, il y a quand même quelques barrières à franchir, notamment des barrières liées aux réglementations, à la loi. Sylvie Meyer, vous avez... Je l'ai dit, lutter pour un droit à l'information des salariés, pour qu'ils aient les informations économiques sur leur entreprise. Ce droit-là a fait long feu puisqu'il est inscrit dans la loi économie sociale et solidaire, mais il a été vidé de sa substance par un décret pris par sous le ministère d'Emmanuel Macron. Il y a ce droit-là qui ne fonctionne pas. Vous travaillez aussi sur un droit à l'expérimentation. Il y a le problème aussi de la réforme peut-être des tribunaux de commerce. Où donner de la tête dans toutes ces activités législatives? Alors, d'abord, on est allé bien plus loin que le droit d'information, puisque plusieurs centaines de personnes, depuis des élus députés de plusieurs groupes, jusqu'aux simples citoyens, en passant par des syndicalistes, des universitaires, l'ordre des notaires, etc., etc., nous avons travaillé un projet de proposition de loi sur le droit de préemption des salariés en cas de reprise, de fermeture de leur entreprise. Et ça représente des centaines de milliers d'emplois, puisque avec notamment le papy boom, il y a des tas d'entreprises qui ferment et dont le PDG ne retrouve pas de successeur. Et d'ailleurs, quand on pose la question à des TPE, enfin plutôt à des PME, PMI, ils sont dans l'ensemble favorables. Mais quand on s'adresse à la CGPME, qui a changé de nom, mais peu importe, et évidemment au MEDEF, alors là, c'est niet. Et cette loi droit de préemption, nous l'avions présentée à la Confédération Générale des SCOP, à son Conseil National, qui avait voté une motion de soutien à l'unanimité. Nous avons été auditionnés par le CESE, le Conseil économique et social et environnemental, qui a voté un avis sur la loi ESS dans laquelle il disait il faut mettre le droit de préemption, qui a été voté à l'unanimité, moins le MEDEF et la CGPME. Or,
Au départ, la loi ESS comportait cette idée de droit de... Alors, ils appelaient ça droit de préférence. Et c'était l'idée, quand une entreprise va fermer ou doit être reprise, les salariés ont priorité. Comme un locataire, quand un propriétaire vend sa maison ou son appartement, le locataire a priorité. Quand un terrain est vendu dans une collectivité territoriale, la collectivité a priorité. Donc on avait pensé que c'était important. Et nous l'avons travaillé avec des juristes, elle était impeccable cette loi. On nous a opposé, non, c'est une atteinte à la propriété. Alors que c'était dans le cadre où le patron décidait de vendre, faisait son prix, mais les salariés étaient prioritaires. Donc ça a été balayé. Et on a remplacé ça par une timide approche sur le droit d'information qui ne faisait d'ailleurs que répondre à une directive européenne qui date de 2000, donc il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, et qui a été finalement balayée, comme tu le disais, par une directive, un décret Macron. Donc il y avait ça qui aurait permis, par exemple pour vous, si vous aviez eu ça, vous étiez prioritaire. Et les tribunaux de commerce, là... Alors, il y a tout un tas d'obstacles. Il y a le grand patronat, ça c'est clair. Il y a les tribunaux de commerce. Aujourd'hui, les tribunaux de commerce, lorsqu'il y a un problème de reprise, ils préfèrent choisir le plus disant, celui qui apporte le plus gros chèque, plutôt que le mieux disant. Vous savez, on s'est battu sur les appels d'offres pour qu'on remplace le moins disant par le mieux disant. Et bien là, il s'agissait de remplacer le plus disant par le mieux disant. Qu'est-ce que ça veut dire, le mieux disant? Ça veut dire qu'on protège le territoire et ses salariés, et ses emplois. Parce que là, le tribunal, il a décidé de filer le truc à un gars qui l'a pris, avec des garanties financières dont on ne savait pas trop, mais pour fermer l'entreprise. Donc quel intérêt pour la France? Quel intérêt pour... Et pareil pour... Enfin, pour Ecoplan, c'était clair, pour vous, effectivement. Donc là, il y a vraiment à travailler sur les tribunaux de commerce. Il y aurait vraiment besoin de les réformer, de faire entrer dans ces tribunaux d'autres que les pairs du patronat, que les salariés puissent y être, que les TPE puissent y être, que des artisans puissent y être. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le problème des besoins financiers. Avec les banques, il faut que les banques aient une obligation de soutenir lorsque une entreprise doit être prise par ses salariés, par des prêts, ce qu'ils refusent. Et souvent, ils refusent dans des endroits où il y a plus de dépôts dans les banques que de prêts. Donc l'argent, il est là. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Archer. Les chaussures de Romans. Romans sur Isère. Voilà, Romans sur Isère. Ce sont des salariés qui ont repris une entreprise, mais les banques refusaient de donner de l'argent. Or, en Drôme et en Ardèche, le rapport entre ce qui est déposé dans les banques de ces départements et de ce qui est prêté, c'est pour 1 euro déposé, il n'y a pas 70 centimes de prêté. Donc il restait au moins 30 centimes par euro qu'on pouvait prêter. Or, ils ont refusé. Et ils refusent pour des raisons essentiellement idéologiques, parce que ça les embête que les salariés deviennent leurs propres patrons, comme ça s'est passé de façon tout à fait brillante et éclatante. Alors, on continue à se battre pour le droit de préemption, et en plus, on a imaginé avec des universitaires, le groupe de travail ESS du Parti communiste et la section économique du Parti communiste, un nouveau projet de loi, une loi d'expérimentation. Les lois d'expérimentation, c'est des lois qui permettent à des territoires d'expérimenter un dispositif dans lequel elles peuvent faire des choses qui sont hors de leurs compétences normales, légales. C'est supralégal, mais fait de façon légale. Et cette loi, c'est une loi qui dit entreprise de territoire. C'est-à-dire que quand on se trouve dans ces cas-là, eh bien, le territoire peut parrainer l'entreprise en question, ses salariés, d'un point de vue financier, et puis en les aidant sur le management, etc. Donc on a ces deux batailles-là à mener.
Et je pense que ce sont des batailles sur lesquelles les citoyens locaux peuvent tout à fait intervenir. Tout à fait intervenir. Voilà ce que je peux dire sur les... Si vous voulez, aujourd'hui, dans la politique, il faut avoir des projets concrets. Et des choses que on peut prendre, les citoyens peuvent prendre en main. Et ce que je dis souvent, et vous devez le dire aussi, aux salariés qui sont dans des difficultés parce qu'on les met en faillite, etc., même si l'entreprise est toujours valable, c'est ne vous battez pas contre le projet du patron, battez-vous pour votre projet. Pour votre projet. Alors avant de me retourner vers vous pour des questions, moi je voudrais en poser une petite dernière à nos porteurs de projet. Et maintenant, alors qu'est-ce qui se passe aussi bien pour vous, Scopti, que pour vous et Mim, on peut peut-être commencer par vous, Gérard. Scopti, on est où? Alors, Scopti, on a gagné cette lutte contre la multinationale Unilever. On a démarré l'activité, donc ça aussi, on l'a réussi. Nous, on n'a pas géré l'entreprise comme une entreprise capitaliste. Donc ça veut dire qu'on était dans une situation où les salariés, les ex-salariés de Fralib étaient à Pôle emploi. Donc on s'était donné un engagement moral entre nous qu'on laissera, parce que les patrons le disent beaucoup, ça, on ne laissera jamais personne au bord de la route, sauf qu'ils ne le font jamais, ils les laissent au bord de la route. Nous, on a dit, on ne laissera pas personne, on ne laissera personne passer du Pôle emploi au RSA. Donc dès le mois de mai 2015, même sans activité, on a intégré des salariés coopérateurs avec donc une masse salariale à sortir sans avoir des rentrées d'argent de l'autre côté. Mais ça, on l'assume et on l'a choisi ensemble. Aujourd'hui, on savait qu'on allait payer à un moment donné cette situation et aujourd'hui, on la paye dans la trésorerie. Parce qu'on a quelques difficultés de trésorerie, mais on a quand même fait évoluer un chiffre d'affaires où la première année, on était à 460 000 euros, on est passé en 2016 à 1 800 000 euros. Et aujourd'hui, quand je vous parle, on a déjà dépassé le chiffre d'affaires de 2016. Donc on atterrira en 2017 aux alentours de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les ventes progressent aussi. Mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'on arrive au point d'équilibre. Donc on a mis quelques mesures en place ensemble pour atteindre ce point d'équilibre qu'on espère l'atteindre en mi-2018. Donc pour cela, les salariés coopérateurs, parce qu'on est tous coopérateurs en tant que salariés donc chez nous, ont abandonné leur 13e mois, puisqu'on avait décidé une politique salariale avec un 13e mois. Donc en fin 2016, par rapport à la vision des difficultés, ils ont renoncé à leur 13e mois. On a mis en place un e-boutique pour booster un petit peu les ventes. On a mis aussi en place un affacturage avec les banques, parce que là aussi, il y a de quoi dire avec les banques. Quand Unilever, on a tiré de la lutte 2 850 000 euros exactement, pour démarrer l'activité, qu'on a repris à zéro et on a tout reconstruit. Les banques, y compris le crédit coopératif, je le dis, parce qu'on en a deux de banques, le crédit mutuel et le crédit coopératif. Le crédit coopératif, on leur a versé les 2 850 000 euros. Ils étaient bien contents de les prendre. Et quand il a fallu demander un prêt pour investir, parce qu'on a eu demandé un petit prêt pour investir, là on a commencé à avoir les difficultés. Et on pensait, nous, que le crédit coopératif était une banque normale pour une coopérative, qu'on nous a conseillé et qu'on y est allé confiant, et on pensait que ce serait un conseil pour nous, un partenaire, pas un client, mais un partenaire. On s'est aperçu que, en fait, beaucoup ils se comportent comme d'autres banques. Voilà, donc ça, c'est quand même, je le regrette. Donc, il y a quelques difficultés aujourd'hui, donc on a mis en place un certain nombre de choses que je vous dis pour y arriver. On a aussi appelé à un socio-financement, c'est-à-dire un financement participatif, où on a lancé ça en juillet 2017, donc ça fait 2 mois, et ça, on a une solidarité extraordinaire et un soutien énorme de la part de beaucoup des militants, mais aussi ça va au-delà des militants,
On est à près de mois, on est à plus de 140 000 euros aujourd'hui de participation. Et ça va continuer parce qu'on reçoit tous les jours des chèques, des virements, et on a toujours des mots d'accompagnement avec les chèques extraordinaires. J'avais, pour un exemple, j'ai une personne qui est à Pôle emploi et en fin de droit, elle nous écrit en disant votre lutte a été extraordinaire, j'ai suivi, je vous soutiens, mais je passe tout. Et elle nous a donné 40 euros. Mais 40 euros pour une personne qui est au chômage en tête de droit, c'est énorme quoi. Je veux dire, on reçoit des chèques de ce qui va de 10 euros, on reçoit des chèques de 5000 euros, on a reçu. Souvent des fois 1000 euros, 100 euros. Mais c'est. Enfin, moi je suis. Époustouflé parce que bon, on s'attendait à un soutien et là c'est vraiment un soutien énorme. Donc je pense que ce qu'on a mis à travers notre lutte, ça a donné un espoir tel au niveau du monde du travail qu'on a besoin de réussir Scopti, on a besoin de pérenniser Scopti. Alors c'est clair que de l'autre côté, ils souhaiteraient qu'on se casse la gueule parce qu'ils diraient, voyez, ils ont fait les fanfarons, ils ont voulu monter une scope, mais ça ne marche pas. On vous l'a bien dit que les travailleurs ne pouvaient pas se dire patron à un moment donné, mais nous on ne se dit pas patron, on se dit coopérateur, on refuse le terme de patron. On a des titres parce qu'il a fallu prendre des titres, c'est comme ça en France, hein. Il a fallu nommer un directeur général délégué, un président, mais nous on s'en fout de ces titres-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir vivre dans le travail, faire vivre les familles qui travaillent. Et on ne rêve pas d'être milliardaire ou millionnaire. On rêve de se sortir un salaire qui nous permette de vivre et qui nous permette aussi de pérenniser la SCOP. Et c'est ça l'important, et de pouvoir après ben, créer d'autres emplois et surtout que la SCOP elle continue à vivre. Voilà, c'est notre objectif. La conclusion n'est pas la même pour l'aventure des mines, mais qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que vous conseilleriez à d'autres salariés, d'autres entreprises de regarder de ce côté-là, notamment quand il y a des difficultés économiques, mais pas que? Moi, je le conseille parce que l'aventure est belle. Comme monsieur le dit, on se prétendait pas patron, on se prétendait des salariés qui connaissaient nos métiers, qui pouvaient justement faire tourner cette entreprise pour pouvoir nourrir toutes nos familles. Parce que ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'on a tous perdu nos emplois, on est tous à Pôle emploi aujourd'hui, et qu'on a cette petite rancœur au fond de nous, de si on nous avait laissé faire, enfin, si le tribunal de Bobigny nous avait laissé faire, je pense qu'on se serait tous battus pour que notre société redevienne pérenne, et qu'on puisse tous avoir un avenir tous ensemble. Dans cette histoire, Vincent Janicoli, en fait, il manque quelqu'un qui, à un moment donné, tende la main. Il n'y avait pas grand monde qui tend la main à des gens qui se lancent dans une scope. Non, il n'y a pas grand monde. Disons que ça suppose déjà de la part des salariés d'être au courant de cette solution. Le mouvement coopératif, nous, le but c'est de la promouvoir, de diffuser, d'en discuter. Mais c'est pas quelque chose qui est très connu, on en parle de plus en plus, mais c'est pas forcément le réflexe premier à l'île. Donc après, effectivement, il y a tout un problème institutionnel, on parlait des tribunaux, du commerce, on a évoqué les banques, les financeurs plus généralement, et aujourd'hui, il y a un environnement global qui valorise purement le résultat économique, qui valorise le plus offrant, mais la façon dont c'est produit, la dimension coopérative, la sauvegarde d'emploi, c'est quelque chose dont tout le monde parle médiatiquement. Et en fait, quand on va au cœur des institutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment le banquier va nous suivre, qu'est-ce qui fait comment ça se passe dans le tribunal de commerce, en fait, on n'est pas du tout sur ces critères-là. Donc, une sorte de grand écart où médiatiquement on en parle un peu plus qu'avant, et puis dans le fonctionnement concret des institutions, quelque part c'est pire en pire, malgré les avancées sur la loi, etc. Avec le gouvernement actuel, on suppose que ça ne va pas aller mieux. Faites passer le micro. Oui, je voudrais d'une part rajouter quelque chose parce que Gérard, c'est un modeste,
je crois qu'il y a une des choses importantes dans la reprise de l'entreprise par les Scopti, c'est qu'ils ont totalement modifié la façon de produire. Ils ont remplacé les arômes chimiques par des arômes naturels. Ils sont allés vers les circuits courts. Ils sont allés vers le thé équitable. C'est-à-dire que d'emblée, ils ont fait tout ce qui peut être notre projet commun. L'écologie, le social. Et je crois que ce qui est une des caractéristiques des SCOP aujourd'hui, pour la plupart, c'est justement ça. C'est l'éthique, c'est l'écologie, c'est la démocratie, parce que c'est une obligation de la SCOP, mais parce que c'est dans leur vocation. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et puis, une autre chose qui est très importante, c'est que quand on fait les statistiques sur les SCOP, elles sont plus pérennes que les autres. Elles paient mieux, il n'y a pas le pompage par les actionnaires. Elles mettent des réserves obligatoires, donc le jour où elles ont un pépin ou un investissement à faire, ça se fait. Et puis, elles ne sont pas délocalisables. Elles ne sont pas opéables, elles ne sont pas en bourse, et elles ne sont pas délocalisables, puisque ce sont les salariés locaux qui créent ou reprennent leur entreprise. Donc, il y a des tas d'avantages, même si ce n'est pas la panacée, même si ce n'est pas facile, même si la démocratie, c'est quelque chose qui s'apprend, eh bien, avec les SCOP, avec les SIC, qui sont des SCOP particulières, puisque les collectivités territoriales ou les usagers, les personnes physiques ou morales peuvent en être, ou encore les CAE, moi j'insiste beaucoup sur les coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent à des jeunes qui veulent être auto-entrepreneurs d'être en même temps salariés, coopérateurs et indépendants dans leur travail, plutôt autonomes dans leur travail, et tous ensemble sur du service, de la formation, etc. Et aujourd'hui, plutôt qu'Uber, ben vous avez ici les CLAP, vous pouvez aller les voir. Ce sont les jeunes de Deliveroo et d'autres entreprises de vélo sous Uber qui sont en train de faire leur coopérative. Et ça, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Puis la dernière chose que je voulais dire, moi j'insiste sur le fait de l'éducation populaire. Parce que vous avez dit, nous c'est notre rôle. Dans la Confédération des SCOP, tout le monde n'est pas d'accord. J'étais à la réunion COP France il y a 4 jours, où la vice-présidente de la Confédération a dit, l'éducation populaire c'est quand même pas tout à fait notre truc, nous on est pour le business plan. Eh ben non. Si vous, vous ne faites pas l'éducation populaire pour que les jeunes se dirigent plutôt vers là, que les salariés sachent que vous existez, sachent que ça peut se faire, ça ne se fera pas. Et en tout cas, nous, au Parti communiste, ça fait partie de ce que nous considérons comme nos tâches, c'est la promotion de l'économie sociale. Bonjour, vous avez brièvement abordé le point des aides, à un moment du soutien du gouvernement, est-ce que ça pouvait être un soutien financier ou pas? Et est-ce que vous avez finalement trouvé des banques autres manifestement que le crédit coopératif qui pouvaient soutenir? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'ils disent comme offre de soutien financier pour faciliter la reprise? En 2014, nous, quand on s'est fait racheter par un actionnaire chinois, il nous a racheté et après il a pu investir, enfin il a fait n'importe quoi, plus payer la TVA, l'URSSAF, etc. pour se retrouver. Fin 2016, à 80 millions de dettes. Donc quand on est à 80 millions de dettes, il n'y a aucune banque qui vous suit. Tout le monde nous disait « Votre projet SCOP, c'est super, mais on ne vous suit pas financièrement. » À part l'association des SCOP, qui était prête à nous verser 3000 euros par salarié qui est rentré dans la SCOP. Donc vu qu'on était sur une base de reprise de 500 salariés, on avait un budget d'un million et demi. Mais quand on a demandé à l'État une aide, donc on a fait un prêt FDES, on a demandé 10 millions. Il nous fallait 10 millions pour reprendre l'activité, pour acheter les baux des magasins, parce qu'ils étaient, en liquidation, pardon. Donc il fallait racheter les baux des magasins. Donc il nous fallait 10 millions. Quand on a été à Bercy pour présenter le projet, donc ils étaient enjoués, il n'y avait pas de souci. Il fallait qu'on améliore notre financement, donc on leur a dit bah, écoutez, on va voir avec les SCOP, on n'avait pas encore vu avec les SCOP, il fallait qu'on améliore notre stratégie et qu'il y ait plus de gens de sociétaires dans la SCOP. Un mois plus tard, on est arrivé, on avait un budget social de 10 000 euros, on avait 100 sociétaires avec des mails de soutien, plus de 500 mails de soutien, et donc on était 100 sociétaires avec 1,5 million qui pouvaient nous verser
verser les scopes. Malheureusement, ils nous ont dit, vous avez un prêt de vous demander 10 millions, mais par rapport au traité européen, on ne pourra pas vous aider à plus de 50%. Donc il fallait que nous, on ramène 5 millions. Donc hein, c'était la douche froide ce jour-là, parce que si dès le départ, un mois avant, ils nous avaient dit qu'il faut ramener 5 millions de votre poche, on n'aurait pas fait ce projet-là. On savait que ramener 5 millions, c'était quasi impossible. Voilà. Mais effectivement, les banques ne suivaient pas. Avec ce qui s'était passé depuis 2 ans, les banques ne suivaient pas. Oui, précision. En fait, tout le monde nous disait, si l'État vous suit, nous, on vous suit. Voilà, fallait que l'État fasse l'effort, fallait que l'État nous verse. Si l'État nous avait versé 10 millions, je pense que d'autres personnes auraient, d'autres sociétés, d'autres aides auraient suivi, bien sûr. Côté SCOP, il y a des mécanismes de financement. Oui, du coup, dans le mouvement coopératif, il est composé de l'ensemble des coopératives en France, donc il y en a à peu près 3000, et qui fonctionnent sur un principe de cotisation, dont une partie alimente un fonds financier qui prête aux SCOP existantes ou en création ou en reprise. Donc nous, c'est un dispositif qui accompagne les SCOP, ce qui était évoqué là. C'est vrai qu'au-delà de ça, y a les banques dans les reprises d'entreprise, à ma connaissance, ne viennent jamais, sauf le crédit coopératif. Donc même s'ils sont pas parfaits, et ça reste quand même une banque avec de plus en plus de dérives, mais malgré tout, dans le paysage actuel, c'est les seuls qui acceptent de venir financer des reprises en SCOP. Il y a tout un ensemble d'outils financiers de l'économie sociale et solidaire, notamment France Active, qui accompagne qui finance les projets de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y en a quelques autres. Oui, le modèle financier aujourd'hui n'est pas forcément tendu vers les SCOP. Et on voit là que parfois l'État peut mettre un coup de pouce, qu'il fait par ailleurs dans d'autres sphères de l'économie. On se souvient de la crise bancaire, l'État n'a pas hésité à injecter des sommes infiniment plus élevées. Mais du coup, sur des sujets-là, au prétexte que ça respecte pas tel ou tel règlement, ne le fait pas, alors qu'on voit bien que ça aurait pu faire effet de levier et puis emmener toute l'aventure. Donc il y a des institutions qui existent, qui ont été d'ailleurs souvent créées par l'économie sociale elle-même, par les coopératives elles-mêmes. Il y a certaines banques, enfin, notamment le crédit coopératif, d'ailleurs uniquement eux, et puis autour, c'est un peu une révolution industrielle financière à faire. Il y a aussi de plus en plus de crowdfunding, ce que vous avez fait un petit peu. Vous voulez rajouter un mot sur ce sujet ? Non, nous, on n'a pas eu besoin au démarrage de solliciter les banques puisqu'on a fait payer ceux qui cassaient, c'est-à-dire Unilever. Donc Unilever, ils ont payé 2 850 000 euros. C'est ce qu'on a tiré de la lutte. Donc on n'a pas eu besoin de solliciter les banques au départ. Par contre, on les a sollicités après de ne pas taper dans notre trésorerie un pré-investissement. Donc ça, on l'a obtenu, mais après quelques difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, ça a été une histoire. Aujourd'hui, on les a sollicités pour un prêt trésorerie également, officiellement. Donc on va voir ce qu'ils nous répondent. Je ne m'attends pas à quelque chose de positif, parce que bon, on sait qu'on ne prête qu'aux riches et nous, on n'est pas très riches. Donc on va voir. On a aussi sollicité la BPI, qui est aussi la Banque publique d'investissement, qui est aussi un acteur qui peut aider les entreprises. Donc ce qu'ils nous ont dit, c'est la démarche, c'est de demander un prêt trésorerie à nos banques, et s'il y a des refus, ils verront eux d'étudier le dossier. Donc on est en train de voir à ce niveau-là. Mais c'est très compliqué quand il faut solliciter les banques. Quand il y a l'argent, ils le prennent, mais quand il faut le donner, c'est pas pareil. Juste une précision, le prêt sur investissement qu'ils nous ont fait, partagé sur les deux banques, hein, entre le crédit coopératif et le crédit mutuel, il y a eu une garantie de la BPI à hauteur de 60%. Mais bon, voilà, ils ont pris les garanties de la BPI, ils ont pris les garanties de la structure de SCOP aussi. Donc ils prennent les bretelles, le parachute, la ceinture, mais pour ne pas prendre trop de risques. Bonjour. Est-ce que je ne dis pas évidemment que ce soit une solution extraordinaire, mais est-ce que le PCF ne peut pas justement favoriser la création d'un réseau de coopératives ?
Parce que si on n'en a qu'une seule, ou même s'ils se débrouillent très bien, etc., c'est bien, mais ce serait encore beaucoup mieux s'ils pouvaient s'entraider au niveau au moins national ou régional, ne serait-ce que ça. Et quand je parle de réseau de coopératives, je ne parle pas seulement pour les salariés qui en constituent, mais aussi pour les consommateurs. Là, on peut faire quelque chose. On peut faire un réseau de consommateurs au niveau national ou régional. Et ça, ce serait quand même quelque chose de... Même si, on ne peut pas en attendre des miracles financièrement, mais quand même... Une bonne idée à soumettre à Sylvie Meyer. Oui, alors d'abord ce que je voulais dire, c'est on a fait un numéro spécial de Scopti pour la fête de l'humain et l'université d'été, sur lequel on met, parce qu'il a parlé du crowdfunding, enfin de la souscription, hein, parce que nous on parle de souscription finalement, voilà, socio-financement. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut leur commander. Et nous on a un bon réseau, le réseau du PCF, c'est déjà un bon réseau pour faire des commandes. Et aider les gens à connaître ça. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une espèce de plateforme de commandes communes, mais alors pour eux, pour les piles, enfin pour la Belle Aude, pour les Jeannettes, et pourquoi pas pour d'autres. Donc c'est dans l'air. Mais après, il faut le réaliser. Les coopératives, elles ont déjà des réseaux. Elles ont le réseau de la Confédération, il y a des entraides, ça existe déjà. Mais ce niveau de réseau militant, de consommateurs militants conscients de la nécessité de soutenir ceux qui sont dans ces conditions-là, effectivement, c'est une idée, il faut la développer, il faut prendre la force de le faire. Tous les volontaires qui viennent me voir. Hein. Alors, autre question, monsieur ? Ma question s'adresse au monsieur de Scopti. Tout d'abord, je trouve que c'est un très bel exemple et c'est vraiment encourageant. Et je voulais savoir, en fait, si par rapport à l'ancienne entreprise, est-ce que les Scopti ont repris la même division du travail qu'il y avait avant entre salariés pour la production, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, nous, dans notre modèle qu'on a mis en place, il est clair qu'on a pris ce qui était bon avec comment on travaillait avant, avec Unilever. On a pris ce qui était bon parce que ce n'était pas tout à jeter. On en a jeté un bon paquet quand même. Donc on s'est fait notre organisation à nous, c'est-à-dire qu'on a décidé nous-mêmes de notre politique salariale, nous-mêmes de notre organisation du travail, nous-mêmes de nos horaires de travail. Et donc c'est clair qu'on fait nous 35 heures. Parce que être coopérateur salarié, pour moi, c'est deux casquettes. Il y a la casquette salarié avec un contrat de travail normal, comme dans une entreprise normale, et puis la casquette coopérateur, où pour moi, c'est plus la casquette militantisme. Donc nous, on était déjà un petit peu polyvalent avec Unilever quand on travaillait pour Fralib. Et là, c'est clair qu'on a développé la polyvalence parce que bon, on est 41 salariés et il faut s'entraider, il faut développer les compétences et il faut bouger parce qu'on ne soit pas toujours sur le même poste. Et donc, on essaye d'être polyvalent pour s'entraider déjà et pour assumer la production et assurer la production. Donc, c'est clair qu'on a pris ce qui était bon, mais on a aussi décidé nous-mêmes de comment on allait faire. Et c'est comme ça qu'on construit au journalièrement parce que c'est long, hein, c'est un processus long, on n'a pas fini de le construire, mais on continue tous les jours à le faire. Et vous aviez quel poste avant de faire l'aventure Fralib? Moi, j'étais technicien de maintenance et j'étais aussi secrétaire du CE CGT de Fralib. Et quand on connaît l'entreprise, quand on utilise son mandat syndical pour connaître l'entreprise, connaître les finances, la raison, l'économie de l'entreprise, tout ça, ça aide aussi à apporter après et à construire autre chose derrière. Sur notre modèle à nous et sur nos valeurs à nous. Madame ? On a dit, là, tout à l'heure, quelqu'un a dit, on ne prête qu'aux riches, mais peut-être aussi, si on demande des aides à une municipalité ou à une région, on prête peut-être à ceux qui pourront, sur leur déclaration de bonnes activités de leur territoire, à ceux qui auront créé des emplois, et pourquoi pas dans les coopératives.
Donc je me demandais quels étaient, au niveau de la France, le nombre de salariés dans les coopératives. Et puis aussi pour ce qui est des aides des banques, vous avez parlé du crédit coopératif. Moi, j'en ai entendu parler à propos de la NEF, la nouvelle économie fraternelle, qui n'est pas encore, ça tarde, on nous le promet, mais qui n'est toujours pas une banque à 100% et qui est adossée au crédit coopératif. Donc je voulais. Or, la NEF, elle prête directement, sans passer par le crédit coopératif. Je reçois le journal qui s'appelle Le Vif Argent, où il y a des pages et des pages de prêts par la NEF à des entreprises, à des gens qui ont créé leur entreprise et beaucoup s'intéressent beaucoup aux coopératives. Alors, qui veut répondre? Alors, pour la NEF, c'est maintenant à. Dispose de moyens de paiement pour les entreprises, ne donne pas accès à des comptes pour les particuliers, enfin a du mal à avoir les autorisations pour les particuliers, et ben, c'est pas encore le cas, mais pour les entreprises c'est le cas. On peut ouvrir un compte, on peut avoir un chéquier, on peut avoir la trésorerie, etc. Donc effectivement c'est une bonne question. Qui veut répondre à... Donc sur la première question, le nombre de salariés aujourd'hui qui travaillent dans des coopératives, c'est à peu près 50 000 en France, pour 2900 SCOP et SIC en 2017. Donc c'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans, et puis en même temps, ça reste un poids relativement faible au regard de la population active globale. Concernant la NEF, je suis pas sûr, je pense pas qu'ils fassent des prêts en tout cas à ces niveaux-là d'endettement, notamment sur des cas un peu difficiles de reprise. Mais une fois qu'ils auront terminé leur structuration complète de banque, c'est, il me semble évident qu'ils viendront dessus, parce que ça a été chapeauté par le crédit coopératif, mais avec une intention militante beaucoup plus poussée. Donc s'ils arrivent à se structurer économiquement, enfin, sans aucun doute, ils se situeront sur ces créneaux-là. Est-ce que le problème, c'est pas que le modèle SCOP est réservé à des petits machins, des petites entreprises, en disant c'est bien, vous faites votre truc de votre côté, mais dès qu'il s'agit de monter en gamme avec les MIM ou avec SCOPT, là ça commence à poser des problèmes au système. Est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, disons qu'on voit bien que sur les reprises à faible, où il y a moins de salariés, ou à fortiori les créations, on peut arriver avec les dispositifs existants à trouver des financements. Dès qu'on monte d'un créneau, et c'est le cas par exemple pour MIM, on parlait de 1000 salariés, on est de fait engagé dans, avec des interlocuteurs, des banques sur des niveaux plus élevés, les tribunaux de commerce, les préfectures, etc., où là on touche un peu plus ce que tu disais, le système, c'est-à-dire, et là, avec des règles qui sont beaucoup plus marquées en faveur d'un modèle dominant qui n'est pas celui coopératif. Donc, et une mutation culturelle, je ne sais pas, mais politique et juridique au sein de ces institutions qui est un vrai chantier et dont peu de gens parlent. Enfin, le PCF, là, vous en parlez, etc., mais globalement, c'est peu repris. On a en France, oui, c'est une expérience intéressante, la NEF, mais en France, 60% des dépôts bancaires sont dans des banques dites de l'économie sociale, où le statut c'est une personne égale une voix, un sociétaire égale une voix. Vous les connaissez, c'est le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et BPCE. Mais c'est eux aussi qui doivent prêter, sous prétexte que ce serait risqué de prêter à des gens comme ça. Mais je vous l'ai dit précédemment, ce sont des entreprises qui sont moins risquées. Elles sont plus pérennes, elles ne dépendent pas d'actionnaires extérieurs, de fonds américains ou je ne sais quoi. Elles travaillent pour la pérennité et par conséquent, elles sont moins risquées. Mais c'est vraiment quelque chose de très idéologique. C'est très idéologique de refuser de prêter à des coopératives. Donc là, on a, nous, en tant que citoyens, quelque chose à faire. Nous avons des assemblées générales de banques. Alors on ne le fera pas individuellement. Et là encore, nous pensons que c'est le rôle, non pas seulement du Parti communiste, mais aussi d'associations, un faux conso banque. Il y,
y a les jeunes du centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, etc. Nous pensons aller vers une campagne de préparation d'outils qui permettent aux sociétaires d'aller dans leurs assemblées générales, pas seulement pour le banquet final de l'assemblée générale, mais pour exiger une transparence de la démocratie et des véritables choix. C'est possible. C'est plus compliqué, évidemment, soi-disant, que d'être aux parents d'élèves ou aux syndicats, mais en fait, c'est pas vraiment compliqué. Les questions sont très simples. Est-ce que vous faites en sorte que, sur le territoire, les entreprises soient pérennes? Et pour cela, vous devez orienter, flécher l'argent vers eux, plutôt que de l'envoyer dans les paradis fiscaux, par exemple. Puisque même le Crédit Agricole et même le Crédit Mutuel, ils ont des paradis fiscaux. Donc voilà des choses sur lesquelles nous devons travailler et qui peuvent se transformer en solidarité concrète avec non seulement les salariés, mais l'ensemble du territoire. Est-ce que le modèle de la SCOP pourrait être généralisé à terme, ou est-ce qu'il s'adapte à une certaine taille d'entreprise comme pour un modèle de la SCOP? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'adapter à des entreprises d'une taille plus grande? La réponse qui est communément donnée, c'est dire dans une économie générale, il faut tout et du coup, il faut laisser l'économie classique, il faut la place pour l'économie sociale et solidaire, etc. C'est-à-dire, dire il faut un peu de tout. Et en disant, en général, on pourrait quand même un peu augmenter la place de l'ESS. Moi, mon parti pris, mais ça engage quoi? C'est-à-dire, potentiellement, toute entreprise, elle peut être transformée en SCOP. Ce qui apporte dans une entreprise, c'est l'outil de production, c'est que ça produise quelque chose qui soit, on l'espère, utile, pas trop polluant, sur des chaînes de valeur qui répartissent bien les résultats, etc. Il n'y a absolument rien aujourd'hui sur le fond qui empêche que n'importe quelle entreprise, y compris d'entreprises énormes, soit sous forme coopérative. Alors après, ça pose des problèmes d'échelle. La démocratie à 3, c'est déjà pas toujours compliqué. À 3000, ça allait un peu moins. Et puis, le jour où la SNCF est une SCOP aussi, ça posera certainement des problèmes. Mais le problème fondamental, enfin, il y en a deux, c'est est-ce qu'on a des institutions qui permettent ça, et notamment financières, et qui encouragent. Et puis aujourd'hui, je pense qu'aussi, il y a globalement ce qu'est l'entreprise, l'objet entreprise a été depuis hyper longtemps, on va dire, accaparé par les capitalistes en fait. Donc en fait, on se dit entreprise égale entreprise capitaliste. Et la notion même de se dire on peut faire une entreprise coopérative qui répond à des règles. Différentes, c'est évident peut-être pour tous les gens qui sont là, pour les gens qui sont en SCOP, mais pour le commun des mortels, on fait une boîte pour la revendre 10 ans après, pour s'enrichir, pour être libre. Une entreprise Alcor qui est une multinationale de l'emballage, dans la lutte, qui est un échec, deux frères se sont rendus compte qu'ils travaillaient dans la même entreprise, ils ne s'en étaient pas rendus compte avant. C'est ça à quoi nous condamnent les rapports socio-capitalistes. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, il faut élever le niveau de l'enjeu par rapport à la lutte sur le travail. C'est-à-dire que, à mon avis, la question du modèle allemand où on nous dit dialogue dans l'entreprise, c'est pas dialogue dans l'entreprise qu'il faut, c'est la cogestion. Dès aujourd'hui, poser ces questions-là à très grande échelle, parce que la question a été posée, là, d'élargir la question. On ne va pas partout se poser forcément tout de suite la question de coopérative, mais d'autres rapports sociaux, où y compris les travailleurs sont amenés à écrire leur propre histoire et à se mettre entre eux. Ce que dit monsieur, ça résonne avec votre expérience à Lille, c'est-à-dire que peut-être que les salariés n'avaient pas forcément conscience de participer au même collectif de travail et qu'au final vous l'avez payé sur la fin. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'était vu qu'on était dans l'urgence et que les gens étaient fatigués des reports d'audience, de la liquidation, de la reprise d'achat en 2014. A vraiment été un coup dur pour tout le monde, puisque l'actionnaire a plus investi et a fait vraiment n'importe quoi dans l'entreprise. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un détachement du métier, enfin du
métier, du savoir-faire des gens et de la fatigue. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui voulaient vraiment s'en aller. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais laissez-nous, on veut que nous, on veut pas que notre société soit liquidée, on veut nous être libérés du métier qu'on faisait depuis des années et qu'on nous a pas laissé faire depuis qu'on a été racheté. C'était pas le fait de plus vouloir travailler pour MIME, c'était le fait d'arrêter ce travail. C'était très compliqué de travailler à ce moment-là pour l'actionnaire. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui étaient désespérés, plus par l'actionnaire que par leur métier en lui-même. Et quand on leur a annoncé qu'on voulait ce projet, ils n'étaient pas... C'était contre sur le fait d'avoir été baladé depuis des années. Et donc ils se sont dit c'est encore une énième chose, au lieu de voir la bonne chose du scope, de la gouvernance des salariés, ils n'ont pas vu cette chose-là. Ils étaient fatigués depuis des années de ce qu'on leur avait fait subir en fait. Sur les scopes, enfin les reprises d'entreprise par ces salariés, est-ce qu'il y a plus de la moitié, un peu moins de la moitié des entreprises qui sont reprises par leurs salariés quand ça se présente? Ça représente combien sur une entreprise de 100 personnes? Il y a quoi? Il y a 30 qui sont intéressés de reprendre l'entreprise en scope, plus que ça, moins que ça, en moyenne? Ça va être compliqué de répondre à cette question, j'imagine. Ouais. En fait... je ne peux pas donner de moyenne, mais par contre, ce qu'on observe, c'est au début, pas beaucoup, et au fur et à mesure, du coup, d'où la nécessité d'installer ça dans la durée, de travailler, de discuter, de plus en plus. Il y a un documentaire qui a été primé assez connu, qui s'appelle Entre nos mains, Marianne Otero, qui montre très bien ça. Alors, là, pour le coup, c'est un projet de reprise en scope qui n'a pas marché. In fine pour des questions économiques, mais on s'aperçoit que derrière les questions économiques, c'est l'ancien patron qui a manœuvré pour in extremis enlever le marché principal. Donc politique, économique, c'est toujours un peu relié. Et au-delà de ça, le film est très intéressant parce qu'il montre sur un temps long d'une année l'évolution et la participation des salariés de l'entreprise qui va mal vers la reprise en scope. Et au début, les salariés sont déboussolés, voient la scope comme une solution comme les autres. Et au fur et à mesure, sont vraiment partie prenante, y compris en termes de désir sur le projet. Et du coup, il y en a de plus en plus. Donc, il s'appelle Entre nos mains, le DVD, le documentaire. Alors, il est venu le temps de conclure. Je vois que Sylvie a envie de conclure, Sylvie Meyer. J'ai envie de conclure à une jolie histoire de scope. C'est une scope de métallurgie de la région de Pau, qui était menacée de fermeture. Proposition de rachat par un fonds de pension américain. Il y a eu, alors là, c'est pas 30%, 40%, c'est d'un côté les ouvriers ont refusé ce rachat, les cadres sont partis avec le fonds de pension, avec la partie la plus technologique, et les salariés sont partis de leur côté en scope. 15 ans après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la scope qui s'est modernisé, qui fonctionne très très bien aujourd'hui, alors que la partie fonds de pension américain a été vendue, revendue, etc. et a fini par disparaître. Voilà. Alors c'est une jolie conclusion.